مبسوط البارح، نزلت ديجا قلت اليوم تروح العشية وحكيت مع بعض، ربطت بيان صديق قلت لي كيف اسمه على جيو، سيت سوبر انتريسون على الفيل، برشا حكايات برشا حكايات باهية، تحكي لكم على كل شيء. شو نعمل انا في الجابون تو؟ انا اليوم في ليبرفيل على الثاني تاعي في الجابون انفيتي مع عند انا ميز مع عزيز اللي هو انتربرونور ماستر في ديجيتال وكوتش كونسلتون. ما انفيتي عندهم اون سيمين تاع انتربرونيا او لومبلوا هما تو في بريود تاع ترانزيسيون. Et j'étais invité venir pour être un invité et surtout entre les activités d'entrepreneuriat au digital. Je serai aussi le jury de le hackathon. Je serai Lyon ou Rodois. Donc voilà, un temps faut-il adagio, matra, style typique, typique le Gabon. Voilà, c'est le brahm tarabsoubli la kebla. Lyon, c'est bien, il aimerait ma choye. C'est climat équatorial, donc on a une saison sèche, une saison de temps, une saison de temps. C'est très beau à voir. Après, je suis au temps de la chambre de commerce, dans la ville, privée de l'hôtel, à la Lyon, avec un hackathon. L'hôtel Azur, ici, c'est une grande cour, c'est un style équatorial. C'est assez vert, c'est comme pour le cas de tout le Gabon. Il y a ici le champ. Le contexte, il y a dans le Gabon, puis période de transition. Après, l'armée a pris les choses en main et la jeunesse gabonaise est en train de faire de son mieux pour passer vers, dans une nouvelle période qui est déjà le cas et promouvoir l'emploi, l'entrepreneuriat et la stabilité. Et c'est l'une des causes pour laquelle je suis invité ici pour ces trois jours pour faire partie d'une nouvelle initiative qui va englober plusieurs pays et qui va mettre en avant, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat au digital. On est sur le point de partir vers la chambre de commerce où le hackathon va commencer, oui. Avec un léger retard. Oui, un léger retard d'organisation, mais ça va arriver tout de même. Oui, quand même, on espère. On espère, donc ouais. On y va à pied parce que c'est pas loin. Ah bah, on n'a pas le choix. Hein. Que nous sommes motivés, que nous voulons vraiment nous impacter. Bon, si ça ne vient pas à nous, je compte pas toi là-bas pour voir. Absolument. Allez. On vient d'arriver ici avec mon cher ami Giscard. Okay. Donc pour le contexte, c'est le grand groupe de jeunesse gabonaise pour l'emploi, l'innovation et surtout que dans le contexte de la transition démocratique où les jeunes concentrent. Super. D'accord. Okay. Le problème, il est très profond parce qu'on ne s'occupe pas de la base. Donc, nous allons avoir la possibilité, M. Zengui, restez avec nous là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis avec mon cher père Aziz, on est à Libreville. Avec une journée qui s'annonce très belle. Deuxième journée du rendez-vous de la jeunesse, la semaine de l'innovation. Le soleil a commencé, il est exactement 9h20 à Libreville.
Et là, on se dirige un peu dans les rues du centre-ville, justement pour faire une petite transaction. Et c'est la première fois que je vois une audience ne pas lâcher le panel jusqu'à 19h. Il n'y avait même pas un post-café, il n'y avait rien, c'était au contenu et tout le monde était à fond. C'est l'esprit même d'une transition réussie. Oui, effectivement, parce que hier, on a enchaîné une conférence et deux formations sans pause, sans même prendre un café comme disait Karim tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça sera la même chose. Allez, bonne chance pour nous. Et merci. Bravo Aziz, bravo à toute l'équipe. Shukran. أنا توا في ليبريفيل في الجابون في شمرة كوميرس. إيش قاعد نعمل هنا؟ جيت انفيتي في يعني ايفونمون كبير عملته وزارة الشباب باش نعمل حوار مع الشباب في البيريود نتاع الترانزيسيون خاطر هما صار تحول في 2023 اللي ثم شكون خذا الحكم وقاعدين يحاولوا باش يحكيو مع الشباب باش يشوفوا شنو يعملوا باش يخرجوا من الأزمات نتاعهم عندهم ان تو امبورتون تاع الشماج عندهم مشاكل تاع كربسيون في معانا عندهم برشا حاجات يحبوا يقدموا اول حاجه عملوها باش يقدموا هو الحوار وانا اليوم هنا نمثل تونس نمثل نادي تونس التمثيل الاجتماعي في ليفونمون هذا اللي قاعد يصير على 5 ايام وطبعا نحكي لكم بالديتاي كل مره وش بي كواتريال سي فريمون تخي شو سخون على الاخر وقت راه في العرق هبط الوغ كو مش قدام في حد شيء يكون توا ماكسيموم 30 ما هي سان بيك كوتوريال في مع السيزون تاع البلوي اللي حنا فيها توا اللي ساعات تصب مطر نهارين وتبدا حسب قاعد تجي ليلة كامل تصب وعندهم السيزون سيش اللي ما يسموش مطر جملة طولية الدنيا سيش معناها سي فريمون المناخ استوائي كما تعرفوه بونجور بونجور جيسبر كو زالي بيان اوجوردي نو زالو فير لا ديكوفير دو لا ليبريفي فوز ايت شو Ils sont allons-y. Allons-y. Tranquille. C'est comme un vrai Gabonais. Tu connais le... On connaît pas l'endroit, mais on marche. C'est ça l'avantage. T'as dit quoi? T'as dit de quoi? En Afrique? Ouais, en Afrique, même si tu connais pas l'endroit, mais le fait que tu es là, si tu connais seulement que tu dois rentrer chez toi, que tu connais l'adresse de chez toi, c'est fini. Les restes, tu peux aller loin. Si tu demandes seulement l'hôtel, BBC, comme référence, tu arrives. Voilà. Alors, nous sommes en train de visiter la Libreville, moi et Karim, sans guide, sans Gabonais. Mais comme nous sommes en Afrique, on ne va pas se perdre. Donc voilà, ça c'est un outlet. Nous sommes en train de visiter, nous sommes à la PAC. Donc voilà, nous sommes là dans la rue de Libreville. Vous voyez, c'est beau, c'est calme, vu que c'est le dimanche. Et le Pâques aussi. Aussi, c'est la Pâques. J'espère que tout le monde est à l'église, d'autres sont à la messe, donc c'est normal. Peut-être que les choses vont changer à 13h, 14h, on espère bien. Mais là, c'est d'abord calme, parce que tout le monde est parti à l'église, ainsi de suite. Donc, on s'est décidé de prendre la main, donc de aller visiter nous-mêmes, sans un Gabonais parce que nous sommes des Africains et on va pas se perdre. Alors, comme vous pouvez voir, c'est beau building dont on connaît pas les noms, mais c'est beau, c'est magnifique. Voilà, moi aussi j'adore. Ouais. Bonjour à Libreville, une ville très belle et très propre. Ouais. On est un dimanche, c'est le parc, c'est le fait. Et,
vraiment, je suis en train de découvrir une très belle ville que toute l'Afrique va prendre comme référence. Bravo les Gabonais et bonne chance pour votre transition démocratique. Let's go. Let's go. Donc, je suis ici déjà depuis 3 jours. Je suis en train de découvrir. Tout est bien fait, tout est bien construit. Il y a des anciens buildings de l'ère coloniale. Il y a de nouveaux buildings modernes, très propres. On en voit presque. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu de la police. Mais tout le monde, j'ai vu que tout le monde avait la ceinture de sécurité, volontairement, les casques sur les motos. Les gens sont très bien éloquents. Ils parlent très bien. Ils sont très polis. Et ils sont très généreux. Donc, pour dire que ça fait déjà ici 4 jours et je n'ai même pas fait le change. Tellement c'est. Donc, j'espère que je vais revenir en Tunisie avec toutes ces valeurs, toute cette vision-là que j'ai partagée avec mes patriotes, avec mon gouvernement, pour qu'ils prennent ça comme référence. Merci. Nous sommes toujours en train de continuer notre visite. Là, on voit Gabon Mining Logistique. Donc, on comprend que ça parle de mine. Voilà. Là, on voit Total Energy. Là, on connaît. Parce qu'ils sont partout en Afrique. Ils sont chez nous en RDC, ils sont en Tunisie, ils sont en Gabon, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont partout. Et derrière toi, on voit l'immeuble. C'est très bien construit. C'est comme les tissis. Et j'ai beaucoup aimé la construction. C'est très intéressant. Comme j'ai dit, chez nous, nous avons un problème de la propriété. Et au Gabon, j'ai découvert que c'est vraiment propre. C'est vraiment propre. Vraiment, vraiment propre. Et c'est intéressant. J'interpelle le Quinois à faire en sorte de rendre notre ville très, très propre. Parce que ça donne vraiment une image que les Gabonais sont sérieux et ils respectent leurs lois. Ils respectent leur pays et puis ils aiment leur pays. Parce que regardez la propre. Zéro sachet en cours de route. Zéro, c'est pas moi. Un bonbon, une bouteille. Quand j'ai fini de prendre de l'eau, je dois rentrer avec la balle au tête. Tunisienne. Oui. En 2011, j'ai vu des gens mettre la ceinture, s'arrêter au feu rouge, oui, alors qu'il n'y avait aucun policier. La rue était vide. Oui. Parce qu'ils ont acquis, un sentiment de patriotisme après le départ du dictateur. Okay. Après quelques années, les élections, la déception, tout ça, on est revenu au point de zéro. Wow. Ça veut dire qu'on a lâché un peu. Mais on ne va pas lâcher, ça, parce que le changement ne se passe pas entre une nuit et un jour. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Et tout changement, il est positif. Voilà. Même s'il est partiel. Voilà. Même si vous avez un ancien dictateur, vous avez un nouveau. Ça va. Voilà. Il y a un changement. C'est voilà. Mieux que de rester stagné. Voilà. Et j'espère que ça sera le cas, que la prospérité pour toute l'Afrique. Il ne faut pas espérer d'être figé, mais il faut espérer la positivité. Voilà. Il faut être toujours optimiste, espérer qu'un jour la Tunisie va changer, espérer qu'un jour Kinshasa, la RDC, va changer, parce que nous avons un nouveau président qui veut l'évolution de la RDC. Voilà. Les taxis, ils sont bien, bien référencés. Ouais. Les verts, le vert, blanc, le violet et rouge. Parce qu'en fait, quand ils mettent le nom des rues, ils m'ont le nom de la rue, le nom de la ville, et l'arrondissement, et surtout, la personne, c'est quoi? Nous, on n'a pas ça. Nous trouvons seulement le nom de la rue et tu dois toi-même chercher. La zone tropicale, voilà. Il pleut parfois, ouais, comme pas possible. Et puis il fait aussi chaud. C'est chaud et humide. Ouais, là on a transpiré parce qu'on a tellement tourné et il faisait chaud. Mais c'est bien, ça nous a donné quand même vraiment l'envie de continuer encore de faire de tout, mais prochainement. On est fatigué.